Bonjour à toutes et à tous. Via cette petite vidéo, nous allons vous expliquer comment créer votre compte personnel sur Opart, que vous soyez arbitre, athlète ou officiel, et ensuite le lier à un profil afin de pouvoir gérer votre saison. Donc la première étape, c'est de créer votre compte vous-même. Donc pour cela, vous allez sur l'adresse ici ci-dessus, fencing.opart.online. Vous choisissez le français, slash fr, slash home, si vous souhaitez faire l'adresse directement. Vous arrivez sur cette page-là, vous cliquez sur en haut à droite, créer un compte. Une fois là-dessus, c'est bien simple, vous remplissez toutes les données nécessaires ici. Petite particularité pour la nation de votre club, Belgique, Bell, hop, vous enregistrez comme ceci. Email, vous validez toutes les données ici, à l'exception de savoir si vous souhaitez la newsletter ou non. Et vous continuez avec l'inscription. Vous allez recevoir dès lors un email sur votre adresse enregistrée ici au-dessus. Qui vous donnera un email donc de validation que vous suivez et qui ouvrira votre compte. Une fois que votre compte est créé, il vous suffit d'aller sur la page d'accueil de l'adresse précitée au début de la vidéo. Vous cliquez sur Login, vous rentrez le nom d'utilisateur que vous aviez demandé, le mot de passe que vous avez enregistré, hop, et vous cliquez sur Login. Vous voici donc sur votre profil. Une fois que vous avez ce profil-là, vous n'avez pas encore accès à la gestion de votre saison. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que, il y ait un profil athlète à votre nom qui soit créé et que ce profil athlète soit lié au compte que vous venez de créer en suivant les indications de la vidéo. Donc, pour ce faire, il y a deux solutions. Soit votre club a déjà créé votre profil athlète et il suffit de demander une liaison entre votre compte et ce profil et que le club le valide. Soit vous-même créez votre profil athlète. Donc, quand vous êtes sur la page d'accueil après vous êtes logué, vous allez ici en haut à droite et vous cliquez sur Modifier mon utilisateur. Par là, vous avez les données de base et sur la droite, vous avez les trois profils possibles sur Repart, donc c'est-à-dire athlète, arbitre ou officiel. Selon votre profil, vous allez choisir celui qui vous correspond. Donc ici, nous allons tester le compte athlète. Je souhaiterais dès lors par ici lier mon compte Opart avec un profil athlète. Donc si, comme je vous l'ai dit, si votre club a déjà créé votre profil athlète, il vous suffit de le rechercher ici. Nous allons mettre quelqu'un du staff pour le retrouver facilement. Voilà. Vous rentrez les informations exactes, vous recherchez. S'il existe... Voilà, il se met dans les ici en dessous. Bon, vous voyez que ce lien, cette personne-là a déjà été liée. Il vous suffira de cliquer et de valider pour lier votre compte à cet athlète. Une fois que vous avez validé, vous envoyez un petit email à votre responsable de club qui lui va accorder cette liaison ou non. Une fois que ce sera fait, vous pourrez alors gérer vos inscriptions et accéder à bien d'autres outils comme inscription au tournoi, inscription aux événements et autres. Donc là, vous serez en ordre et bien mis dans votre club. Si maintenant le club n'a pas fait votre profil, donc nous redémarrons ici à zéro. Donc nous revenons sur la page. Je vais noter mon nom. Voilà. Ça, c'est mon propre nom et normalement, je n'ai pas de profil athlète existant. Je clique dessus, le programme va détecter qu'il n'y en a pas d'existant et je vais devoir tout recréer. Donc, je mets bien toutes les informations officielles avec l'astérisque qui sont nécessaires, obligatoires. Rentrez bien tout de manière correcte. Et une fois que c'est en ordre, vous cliquez sur Save. Et techniquement, votre compte sera alors lié. Il vous suffira de demander à votre club de valider la chose et de vous intégrer à son listing. Et votre saison pourra commencer via Opart. Voilà, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à recontacter notre bureau ou votre club et nous n'hésiterons pas à vous aider. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir.